Ils veulent me tuer. Attention, nous voilà, nous sommes au jour 9. Bon, allez, c'est parti. Non. Oh là là. Ils sont où là? En tout cas, j'ai déjà eu un premier aperçu de leur base. À l'intérieur, c'est un grand jardin avec des cultures et tout. Bah, je pense que oui, on a commencé là. Ouais, ouais, c'est commencé. Ah, bon, bah, très bien. On est parti, allez. Quelqu'un, vous avez lancé la vidéo là? Oui, oui. Ah, oui, de toute façon, on l'arrête pas, on l'arrête pas. Youpladaboum, bonjour à tous, c'est Evni en compagnie de Corge, en compagnie de Shaikez, en compagnie de Eishi, en compagnie de tout le monde. Et en compagnie surtout bah, des Creepers, nos amis les Creepers, qui vont pouvoir nous donner enfin la possibilité d'attaquer la base ennemie. Mais d'abord, il va falloir user... J'ai déjà commencé à bousiller leur muraille avec les Creepers. Donc c'est cool. Hein. Voilà, donc d'abord, d'après ce que j'ai compris, on n'avait pas construit un jardin. Pourtant, moi, je croyais qu'on avait construit le jardin. Bah, en fait, c'est construit. Qu'on n'a pas de bloc de dirt. Faut qu'on s'en aille bah, un, en fait. Bloc de... Bah, tant pis, au pire. Il vient de fleurs, coucher. Trop tard, j'ai des amis creepers, mon grand. Je peux pas test. Creepers, viens par ici. Viens par ici. Viens par ici, Mr. Creepers. Mr. Creepers. Je m'occupe de faire jardin, j'en fais un lava-vite, puis ce sera fait. Bonjour, bonjour. Oh là là, il m'énerve, à me tuer à chaque fois. Oh oh, ils arrivent. Skype a bugué. Toc. Voilà, ce serait mieux comme ça. Il y a eu un petit bug voilà de Skype. Bah il y a Evni qui s'est déconnecté en fait, donc ouais. Bah du coup. J'espère que j'arriverai à héberge sans problème vu que je filme en même temps. Je pense que ça ira. Sinon c'est cool, il y a Ifini qui est venu, je l'ai. Il avait une épée en fer et moi en pierre et du coup bah j'ai récupéré son épée en fer. Je sais pas comment j'ai réussi à le battre avec mon épée en pierre, mais bon. On appelle ça de la chance. Je vais... Ouais, puis du coup, il y a Corge qui a des petits problèmes de connexion, du coup, il a pas rejoint. Ouais. Le problème, c'est que je crois fallait... Fallait esquive... Des légers petits bugs. Thank you.
c'est moi. Voilà, donc excusez-nous pour ces légers petits bugs, hein. Ça arrive à tout le monde. Oui. Voilà. Je disais Shaked, je crois qu'il faut se giver un bloc de dirt avec de l'herbe dessus pour pouvoir clair mes pouces. Non, non, mais de toute façon, on a dit tant pis, on fait c'est pas grave, on fait un truc moche. Ok, bah de toute façon. Eux, ils en ont pas non plus. Ah, ok, bon, bah c'est un jardin de toute façon. C'est un jardin qui a été labouré, c'est tout. Les arbres pousseront pas, mais c'est. Ouais, c'est bon, c'est un jardin qui a été labouré, je cherche pas. Bon, voilà. Fini. Donc, j'en fais quoi de son épée à Ifini? Je la fous dans le coffre ou je la garde sur moi? Ça m'énerve à chaque fois que j'y vais en disant ah, ouais, c'est ça le jardin. Waouh! C'est intense. Ah bah si vous avez d'autres idées, vous pouvez l'agrandir. Non mais on n'a pas que ça à faire quoi. Enfin bon, c'est énorme. Ok, alors je fais comme ça. Je leur jardin, eux, il est comment? Il est beaucoup plus développé. Il a vraiment de la gueule. Ouais, bah ils ont perdu du temps pour rien. On peut voir ça comme ça. Bon, j'ai pas pu regarder. En tout cas, je suis entré par derrière, j'ai vu leur culture, j'ai piétiné un peu. Bon, qui c'est qui peut occuper là? Moi. Enfin, je suis pas très. Ils sont un peu inutiles. Ça serait... Là, je pense que j'ai avancé un peu. Ça serait bien d'utiliser deux TNT déjà pour savoir où est leur base. Il faudrait se stuffer à mort et y aller tous pour savoir où est leur salle des coffres. Est-ce qu'on a de quoi se stuff au moins? Bah, au pire, on prend juste des épées, quoi, mais... Non, il faut surtout, mais c'est le plus important, il faut avoir de quoi se protéger. Ouais. On peut faire une armure... Non, cobble, ça marche pas. Cuir, on en a pas assez. Faire non plus. Ok, bon. Mais, ah oui, okay. Ils étaient trop inquiétés tout à l'heure, quand j'étais arrivé et tout, tu vois. Ils ont dit, ouais, comment il a fait pour entrer, machin... Enfin, faudrait pouvoir faire une diversion en fait. J'avais pas bien. Ouais, mais les creepers c'est parfait. Attends, j'ai test là, c'est top. Bah, à la limite, du coup, mieux vaut arriver la nuit pour faire les assauts. Je sais pas si. Ouais, voilà. Ce qui serait bien, serait qu'il y en a un qui fasse péter une TNT. En route. Bah, après, faut s'organiser quoi. Je sais pas s'il faudrait pas qu'il y en a un qui fasse péter une TNT d'un côté, et du coup ça fait diversion, ils vont tous aller là-bas, et pendant ce temps-là, il y en a un autre qui en fait péter une autre ou qui essaye de rentrer par autre part. Ça casse un peu les couilles d'en utiliser une quand même parce que c'est chaud à avoir. Ouais, mais 5 TNT, tu sais, pourquoi tu utilises du TNT? C'est pour ouvrir une brèche dans leur muraille. Sauf qu'avec une seule TNT, tu pourrais déjà ouvrir une brèche dans leur muraille. Au final, on l'utilise bien pour pouvoir savoir où c'est. Ouais. Mais en tout cas, je suis assez pessimiste. Mais... Ça vous fait aussi ce bug là, moi les coffres ils s'ouvrent, ils se ferment, ils s'ouvrent, ils se ferment, on continue. C'est quand les quand on l'ouvre nous. Oula, c'est mais... quoi ça? Là ça s'arrête jamais. Ça, c'est doit être de la TNT des ennemis. Il faut sortir de la salle des coffres, sinon ils sauront où elle est. Ouais. J'ai fait un petit trou à partir de l'endroit où c'est notre base. En fait, ah ouais non mais c'est très con en fait ce que j'ai fait. Pourquoi? Non, rien, laisse tomber. Allez à l'assaut. Faut réparer la muraille, j'ai pris des blocs de boost. Ah, ils nous ont fait péter, ça y est. Ah oui, ils sont. Ah, j'ai entendu un boom, hein. C'est un creeper, on verra bien. Un creeper, je veux bien, mais dans tous les cas, ils l'ont fait sauter sur notre muraille, je pense. En tout cas, faut pas rester par là, parce que sinon, ils vont savoir tout de suite où est-ce qu'elle est la salle. Ah, il y a son brelien est là. Je pense que oh, je vois leur pseudo, ils sont dans notre base. Ouais, ils sont juste au-dessus. Il y a Sombrelien qui est au-dessus là. Comment qu'on fait? On sort ou... Je crois qu'ils ont un loup avec eux. Lichy m'attaque là. On est un peu dans la merde. Ils sont fait avoir par les pièges, j'ai entendu le piège s'activer. Je pense, je vais essayer de sortir de la salle des coffres, histoire qu'ils savent pas trop où est-ce qu'il est. Ok. Putain, c'est le bordel. Ah, c'est pour ça qu'ils sont rentrés? Oui, non, en fait, j'ai juste ouvert un truc et je me suis rendu compte que c'était vraiment très con. Donc, je pensais que personne allait le voir, donc j'ai juste fermé. Bon, mais ça n'avait pas d'influence. Ils sont fait avoir par le piège au final ou pas? Pas encore. Rien, j'y arrive là. Non, pas encore. Ouais, il y a son brelien. Le...
Moi je me planque derrière le piège moi. Là c'est mort, ils sont là, faut pas les laisser venir. Non, planque-toi, faut pas qu'ils nous voient. Mets-toi en sneak et attends là la sortie. Attends, ils vont peut-être avancer tout doucement là s'ils font ça. Moi je pense qu'il faut sortir par une autre issue et commencer à attaquer avec les sacs TNT. Ouais, je vais chercher un arc. Ils arriveront pas à trouver. Ils sont en face. Je me creuse un passage pour les taper par en dessous. Non, évite de faire ça parce que si ça se trouve après ils vont pouvoir passer. Mais non, mais genre j'ouvre qu'un en dessous quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, je te dis, je vais aller chercher un arc, je les tape, ça va les faire partir. On attaque avec les 5 TNT? Non, on attaque avec 3. 2. Putain, il est passé. Ouais, que 2. Il est passé le mec. Il est passé. Il a passé le piège. De toute façon, on le pousse, il tombera dans un piège, il pourra rien faire. Non mais attends, je me fais ma rave. Tu l'as tué yeah, c'est bon. C'est bon, il y en a un coincé, je le tue. Putain, j'arrive pas, je me fais quand même tuer, putain, sa mère. Putain, il est juste là, gaffe. Il est juste devant la salle des coffres. Non, juste devant le piège. Voilà, c'est bon, j'ai eu à l'arc. Ok, génial. Bon, moi je pense qu'il faut y aller tout de suite là. Par contre, on a aucun stuff, y a personne qui a dû faire. J'ai récupéré pas mal de trucs de sombre lien là. J'ai deux épées en pierre, une épée en fer, une épée en or et une épée en diamant. Ok, ça va. Vas-y, je me poste un des pièges pour pouvoir taper. Fais une petite zone. Nos coffres sont pas réglo. Bah écoutez, mais je crois qu'on est vérifié. Hein. Ils peuvent pas l'ouvrir. Bah si, on a le droit de faire des pièges. Les pièges sont pas interdits. Oula, y a un bug avec ton micro. Ton micro il bug là, ton micro il bug, arrête-toi. Faut qu'on aille les attaquer là. On est assiégé là. Merde, pardon. Qu'est-ce qui se passe? On me dit on est assiégé, je vois quelqu'un en face de moi. Ok, moi j'ai 3 TNT sur moi les gars. Bah là pour l'instant ça sert à rien, ils sont dans notre base, donc il faut qu'on passe par un autre côté. Bah oui, moi c'est ce que je pensais faire. Oh ouais, attends, vas-y, on s'échappe, on les laisse dans la merde dans notre base, on va péter à la TNT ailleurs. Voilà, c'est bon, je l'ai attaqué à l'arc, il est parti. Alors, est-ce qu'on peut avoir une description de quelqu'un pour que toute l'équipe soit au courant de ce qui se passe en haut? Il faudrait qu'on puisse sortir là. Ce qui se passe en haut, là, ils sont un peu en train de faire je sais pas quoi. Foutre la merde. Moi je reste en sneak. Il s'est fait choper, c'est bon, il va être obligé de se suicider. Vas-y, c'est bon, je m'occupe de ça. Il y a quelqu'un qui est passé derrière. T'inquiète. Oh là, il y a la Ron Wolf à l'intérieur. On les tue ou pas? Je les prends à l'arc. Attends alors. Non mais je creuse de une petite tranchée. Bouge pas, je le prends à l'arc. Décale toi s'il te plaît, Aichi. Hop là, allez. Hey, il creuse ou quoi là? J'ai tué les deux, je les ai pris par en haut. J'ai creusé en dessous d'eux. J'ai fait comme dans Casper, je crois. En revanche, je reprends la plaque de pression parce que t'as retiré une plaque de pression du coup. Ouais, j'ai la plaque de pression sur moi. Ah, j'ai leur coffre et tout. Attends, j'en ai posé en trop là. Choper leur stuff. J'ai la plaque de pression. Ah non, il faut reset le piège en fait. J'en ai pas mis en trop. Faut que quelqu'un passe à l'extérieur en fait. Faut que quelqu'un vienne de l'extérieur et ça elle reset. Oh, ouais, j'ai la plaque de pression. Tu peux la reposer, je sais pas où est-ce que je l'ai pris en fait. Bah, en gros, de toute façon, il y a des plaques de pression partout, alors faut juste la poser là où il y a un trou. Ok, qui c'est qui a besoin d'une épée en fer? Qui c'est qui a pas d'épée? Moi c'est bon. J'en ai une en diable. T'as vu? Vas-y, avance, pète les blocs, tu les remets après et puis tu t'avances vers la sortie. Bon. Bah attends, au pire je passe, je le fais. Ok. Ah oui, déjà faut que je repousse ça.
Putain, c'est un gruyère notre base. Vas-y, avance. Merci. Qui c'est qui a besoin d'un arc avec des flèches? Oh 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 oh, y'a Litchi. Dans le piège, je retrouve en arrière. Un truc en diamant. Ah là 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 là, la méchante. Dans le piège. La méchante. Elle était où? Elle était juste à l'entrée, elle était dehors et elle venait d'arriver. Elle a vu que j'avais un arc et elle est partie. Bon, je vais pas prendre. Ah, c'est le club du gars. Ah, c'est bon. Bon bah, y'a plus de club. Tu l'as tué? J'ose pas prendre une épée en diamant. Ah ouais, moi non plus. Ça fait flipper. Ouais, si on la perd, voilà quoi. Non mais ah, moi je joue planqué donc. Une épée en fer, ça m'ira très bien. Pardon, Shaken. De toute façon, tout à l'heure je l'ai bien battu avec une épée en pierre alors qu'il en avait une en fer, alors je peux très bien le battre avec une épée en fer. Oh, comment tu fais le mec? Oh. T'as vu, hein, je vais mettre la fessée et tout. Deuxième fessée, allez, hop là. Non, il y a Litchi qui arrive. Litchi est juste en haut. Elle a une épée en fer, une épée en diamant. Il faut absolument tuer Litchi. T'inquiète, je vais faire un petit passage pour les taper avant qu'ils arrivent. Non, elle a beaucoup de stuff sur elle, il faut absolument tuer Litchi. Je vais essayer. Je prends une épée en diamant au lieu de celle-là. Là, il y a un trou, ils peuvent passer par en haut. Hein. Attention, faut reboucher là-haut. Ah putain, j'avais pas vu. Rebouche. Voilà. Je m'en refais une épée en diamant. Comment on joue tout sur notre piège, on est des ouf. Voilà, j'ai fait une entrée, je vais m'en sneak et dès qu'il y en a un qui arrive, clac 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 clac. Shaked, tu m'as fait faire une crise cardiaque. T'inquiète pas, ça m'arrive aussi des fois. Parce qu'il est entré dans la costale des coffres alors que j'y étais dedans et il était stuffé de manière à ce que je reconnaisse pas. Donc ça m'a fait flipper ma race. Ouais, j'ai juste une armure en or quoi. Attention à 13, hein, j'étais là. Hein. T'inquiète. Attention Winnie. Hein. Et Vinny. Winnie. Ouais, mais moi j'aime bien des Winnie. Je sais pas par où il passe en fait. Il passe par où pour... Ils ont fait péter je sais pas où. Je crois qu'ils ont fait péter derrière. Ah. Tu penses? Il revient. C'est qui revient là? Ah, c'est Ichi. Ouais, on va savoir où il... Attention à pas nous de foirer le piège. Il y a sombre lien qui est... Oh putain, ils sont dans le... Dans le labyrinthe. Ouais, c'est sérieux. Oh les ouf. Comment ils ont fait pour monter en haut, je comprends pas. Itchy n'avait rien. Oh par contre il avait une TNT sur lui. Oh putain yes. Comment ils font pour monter là-haut? Iron Wolf qui m'attaque. Iron Wolf qui va mourir. Hop là. Oh le... Non vite. Tuez Sombrelien vite. Faut tuer Sombrelien. Je sais pas où il est. Itchy vas-y. Ah merde. Il m'a explosé. TNT sur lui. Il est juste à la sortie du côté de... Bon, allez, c'est bon. Oh merci. T'as la TNT sur toi? Là je vais rentrer vite fait. Je sais pas, je regarde pas. Je sors du piège. Hein. Attends, Shaked, on va se trouver. On va vite se trouver, tu vas me donner de quoi à reboucher. D'accord? Je suis un peu dans la merde là. Il y a un chien qui me tape. Attends, tant pis, je lui ai fait un passage pour passer, je crois, c'est pas grave. Voilà, c'est bon, faut que je rebouche. Hein. Vas-y, Shaked, passe-moi le, s'il te plaît. Oh merde. Shaked, s'il te plaît, passe-moi. C'est bon, Shaked, ne pars pas. Je rentre dans la salle des coffres. Mais il fallait boucher d'abord. J'entends une explosion, pas vous. Oh là là. Shaked, non, ne pars pas trop loin, s'il te plaît, j'ai pas envie de retourner jusqu'à la salle des coffres. Shaked, retourne-toi. Passe-moi de quoi à reboucher, s'il te plaît. Non, mais je m'en fous. De quoi reboucher, ok. Merci. Donc c'est bon, là, on les a repoussés, tranquillou. J'ai l'impression qu'on leur a... Ils reviennent. Je vais les attendre au-dessus de l'entrée du piège. Personnellement, j'ai plus beaucoup de points de vie, alors ça sert à rien. Ils ont pété là. Vas-y, j'arrive en soutien. J'ai vu son brolien. Oh mon dieu. Son brolien qui m'attaque. Son brolien a tué. Ah, leur club là. J'ai tué leur club. Vas-y, j'arrive, c'est pas grave. Je suis en épée de fer. Je suicide. Est-ce qu'il fait nuit là?
Putain, comment il a fait pour monter? Ouais, ça, je me demande comment il fait. Attends, attends. Est-ce qu'il fait nuit, s'il vous plaît? Ils ont posé des blocs, on dirait. Est-ce que tout le monde pourrait... est-ce qu'on pourrait changer le point de spawn pour qu'on soit plus proche, en fait, de l'entrée? Putain, j'avais les plans diamés et tout, casse les couilles, j'en ai marre. Je le mets juste à côté. Faut poser un lit. À la fin du piège. Super, j'ai tué son brolien. Oh putain, yes. Récupère, ce qui m'a piqué. Hey, mais je crois ils ont plein de chiens. Hein. Je prends le lit et je le pose juste à côté du piège, à la fin du piège. Par contre, ouais, c'est au moment où tu vas choper le lit, il faut absolument qu'on se débrouille. Ah, y'a Litchi, putain. Pour ne pas mourir. J'ai pris le folie pour l'instant. Au pire. Oh, merde. Ouais, voilà, prends le folie pour le moment. Le folie, c'est une très bonne idée. Ah, mais il y a un... Ah non, c'est bon. C'est une très bonne idée, Shaikat, je t'aime. On t'aime. Excuse-moi, c'est l'émotion. C'est sorti tout seul. Bon, il coucou, va peut-être falloir que... Il y a Sombronien qui revient, Ah, on peut pas dormir. Je les vois parce que je passe en parallèle là. On peut pas dormir? C'est fini là, c'est le jour où on finit l'épisode. Ah, d'accord. Vas-y, passe. Okay. Non, c'est bon, moi on va y couper là. Ok. Donc ouais, c'était la fin du 9e épisode, c'est ça? Donc on commence le jour 10 là. Allez, c'est parti. Allez, ciao.